Bonjour Isaac. Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe d'Appel, c'est l'actualité. Soyez le bienvenu et merci de nous accueillir à Kinshasa, dans la capitale de la RDC. Nous vous écoutons. Ok, des soldats rwandais sont accusés d'avoir participé à la répression des manifestations après l'élection présidentielle au Mozambique. D'où proviennent ces accusations et quelles sont les preuves ? Quelles sont les preuves ? Effectivement, c'est vrai que les soldats rwandais déployés dans le nord du Mozambique pour lutter contre le terrorisme sont soupçonnés d'avoir aidé la police à réprimer les récentes manifestations de l'opposition. Bonjour Gaëlle Lalex. Bonjour. Correspondante régionale de RFI, d'où viennent ces accusations ? Eh bien, Juan, ces accusations proviennent essentiellement de rumeurs sur les réseaux sociaux. Seul le journal en ligne Verdad affirme disposer d'un élément de preuve, le témoignage d'un agent de l'unité d'intervention rapide de la police. Témoignage anonyme qui prétend que des soldats rwandais auraient été infiltrés au sein de cette unité d'élite. La toile s'est ensuite enflammée, postant nombre de vidéos dont l'analyse pour l'heure n'a pas prouvé la présence d'officiers rwandais à Maputo. Oui, d'ailleurs, les autorités rwandaises ont très vite démenti ces accusations. Oui, très vite, la porte-parole du gouvernement de Kigali s'est exprimée sur X. Elle a rappelé que les soldats rwandais n'étaient postés que dans le nord du Mozambique, dans la province du Cabo Delgado. Pour être exact, depuis 2021, cette mission rwandaise aide l'armée mozambicaine à lutter contre des groupes terroristes. Il n'y a donc aucune raison que ces soldats se retrouvent 2500 km plus au sud, dans la capitale mozambicaine. Le ministre de la Défense mozambicain en a remis une couche mardi soir, confirmant les propos des autorités rwandaises. Allez, vous avez une autre question, Isaac. Allez-y. Tout à fait. Avec cette situation, la présence des forces rwandaises dans le nord du pays est-elle remise en question ? En tout cas, sur les réseaux sociaux, Gaëlle Lalex, nombreux sont les Mozambicains à réclamer le retrait des soldats rwandais. Oui, effectivement, mais la mission n'est pas réellement remise en cause. Il faut reconnaître qu'elle connaît quelques difficultés, d'abord de financement. Elle est toujours en attente d'une dotation de 20 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Ces financements sont en souffrance depuis des semaines, car ils font débat à Bruxelles. Les Européens redoutent notamment qu'une partie de ces fonds soit détournée plutôt vers la RDC. Évidemment, les accusations à l'encontre de la mission rwandaise au Mozambique ont embarrassé l'UE qui, par ricochet, était accusée de financer la répression policière mozambicaine. Elle s'est donc rapidement fendue d'un communiqué, rappelant que pour l'heure, aucun élément de preuve ne venait confirmer la présence de troupes rwandaises à Maputo. En tout cas, je le disais à l'instant, cette mission elle est tout de même de plus en plus critiquée, contestée. Oui, il y a des questionnements sur son efficacité. La mission a d'abord été auréolée de nombreux succès militaires. Elle a indéniablement affaibli dans un premier temps les groupes terroristes du Nord. Pour autant, 4 ans plus tard, l'autorité de l'État mozambicain n'a toujours pas été restaurée dans le Cabo Delgado. Pire, elle régresse, selon le dernier rapport de l'Observatoire du milieu rural, un centre de recherche mozambicain. Cela pose donc la question de la stratégie à long terme de l'opération rwandaise. Pour l'heure, le Mozambique en a un besoin crucial, puisque le mandat de la SAMIM, une autre mission de lutte antiterroriste, sous-régionale cette fois, est arrivé à échéance.